S'est passé au B2, communément appelé contre-ingérence. Un garçon de 21 ans, ici à l'écran, le nommé Mpiga Emery, a été torturé à mort par des agents de la contre-ingérence. D'après nos informations,
Il aurait trouvé la mort depuis jeudi, mais ce n'est qu'hier qu'ils ont déclaré la mort de ce jeune homme. Emery Piga, âgé de 21 ans, qui était proposé à intégrer l'école de la mécanique, a donc été tué par cette police militaire. Il y a une semaine, eu une altercation avec un congénère qui a mal tourné, et son père, qui craignait des représailles, l'a livré à la justice par l'entremise de la contre-gérance. Contre toute attente, ce jeune homme a été torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il a donc trouvé la mort dans les geôles de la contre-ingérence, et ce n'est qu'hier que sa mort a été déclarée. D'après les informations transmises à la famille, on l'aurait trouvé avec une chemise, un simulacre de pendaison. Donc, après l'avoir tué, les agents de la contre-ingérence, du reste connus pour leur violence, leur caractère violent, ont simulé un suicide en déchirant la chemise qu'il avait sur lui, le t-shirt, et en l'attachant à un support du toit de la contre-gérance. C'est dans cette position qu'on a donc trouvé mort, et sa famille a procédé donc au retrait du corps qu'elle a ensuite placé dans une maison des pompes funèbres en attendant les obsèques. Il n'est pas exclu que le corps soit autopsié pour situer justement la famille sur les circonstances, sur les causes notamment de ces décès, mais il s'est sûr que des vidéos montrant la torture, le jeune homme torturé par des agents, ont été donc présentées à la famille. Dans ces vidéos faites à partir des caméras protection, on a vu le jeune homme bastonné durement par des agents de la contre-gérance avant d'échanger une cellule où il a été isolé. Il faut reconnaître qu'il y avait déjà des antécédents dans cette. Il y avait des cas précédents comme ça dans la contre-gérance où des jeunes sont malmenés, violés, et c'est ce qui a l'habitude de se passer là-bas. Pour ce jeune homme, il était dans une cellule avec d'autres personnes, mais on n'a pas compris comment il a fait pour se retrouver dans une cellule isolée et retrouver mort. Mais la raison est simple, l'explication est simple. Il a été tué, il a été torturé à mort, et on l'a mis dans cette cellule isolée pour faire croire qu'il n'y avait personne pour suivre les faits. L'autopsie permettra de démêler les fils de l'écheveau, mais c'est qu'on sait, des langues se sont déliées au niveau de la contre-ingérance, où on parle donc de ces cas qui est venu assombrir justement l'image du BDE, le BDE qui est une police militaire, mais qui se trouve curieusement à jouer le rôle d'officier de police judiciaire sur des dossiers ne concernant pas l'armée. Parce que, en ce qui concerne des faits, des délits de droit commun, il y a la police judiciaire qui est mieux placée, il y a la brigade des recherches qui est là, mais on n'a pas compris que cet homme-là, ce jeune homme de 21 ans, Emery Biga, soit donc livré au BDE, le BDE qui aurait par la suite saisi la police judiciaire pour donc la suite du dossier. En ce qui concerne le protagoniste du défunt, il se trouve à l'hôpital parce qu'il avait été blessé à l'aide d'une arme blanche, mais un modus vivendi avait déjà été trouvé entre la famille du défunt et la famille de la victime. Donc à ce niveau, aucune punition de l'ampleur de ce qui arrivait ne pouvait s'imposer parce qu'il était clair que même si il avait blessé son protagoniste au cours de la bagarre qui s'est produite il y a une semaine, il ne méritait pas d'être torturé à mort. Seule la justice pouvait le condamner à la peine qu'il méritait. Mais malheureusement, la contre-ingérence a donc décidé de régler le problème autrement en le torturant à la mort. La torture fait partie des crimes
transfrontaliers. Donc, les auteurs de cet acte peuvent être poursuivis même au-delà des frontières gabonaises parce que le BDE s'affirme ces derniers temps comme une police politique au service de la torture. Plusieurs personnes sont torturées. Souvenez-vous du cas de cet étudiant qui avait été violé dans les locaux de la contre-régence. Et tout cela se passe toujours à l'insu même des familles des victimes qui découvrent malheureusement les dégâts après donc coup. Voilà un nouveau cas qui vient s'ajouter à la longue liste des victimes déjà enregistrées au niveau du BDE. On espère que la famille ira jusqu'au bout de la procédure en portant plainte contre les responsables de la contre-ingérence qui n'avaient pas du tout à torturer à mort un prévenu parce que la peine de mort est abolie au Gabon. Il est hors de question de faire appel à cette forme de justice qui ne règle pas du tout le problème. Voilà l'information en cette nuit, l'information qu'on dit sur Facebook et YouTube. S'il y a d'autres développements, on se retrouvera à tout moment.
Oh, yeah.